Salut et bienvenue dans ta nouvelle session du Flexi January Challenge. La session du jour, ok, merci le chat. La session du jour sera donc dédiée à une pratique autour des équilibres. Ne t'inquiète pas, c'est rien de compliqué, c'est juste une préparation. Donc rien de difficile, on va travailler donc les appuis, les équilibres sur les jambes pour les postures sur un pied, et puis on fera un petit travail aussi sur les bras. Mais vraiment, pas d'inquiétude, tu verras, c'est pas compliqué. Démarre les pieds, largeur de bassin, sens bien tes appuis dans le sol, donc bien les pieds qui pressent le sol, le bassin légèrement rétroversé, le périnée engagé, les abdos serrés, grandis-toi comme si un fil te tirait de la base et du ciel, donc opposition dans les deux sens. Et inspire. Expire. On va faire 5 respirations égalisées pour être bien ancré dans la pratique. Donc ferme les yeux. Ça va t'aider à travailler ton équilibre. Là, tu sens bien tes appuis dans le sol. Essaie de trouver ta stabilité. Et inspire donc sur ton nombre de temps habituel. Et expire par le nez sur ce même nombre de temps. Encore inspire. Expire. Inspire. Attends, garde bien ta posture. Expire. Je suis désolée pour mon chat qui est en folie. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle est intenable. Bref. Essaye de garder la concentration. Sens bien les appuis, le gainage dans ton corps. Allez, on se fait une dernière respiration. Inspire. Et expire. Ok, tu peux rouvrir les yeux. Allez, écarte tes jambes. On va faire des cercles de bassin. Non. Dans un sens. N'hésite pas à bien exagérer le mouvement. Et dans l'autre. Et on passe à quatre pattes. Et de là, tu vas projeter tes orteils. Donc, vérifie bien ton alignement, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, crochet tes orteils. Engage fort les abdos pour hop, relever les genoux. Le dos plat, la nuque relâchée. Et on est parti pour 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, les genoux très bas, les abdos serrés, allez, 4, 3, 2, 1, et repose tes genoux. Les fesses sur les talons, tends les mains devant, et on part en chien t'attendant. De là, tu vas venir en planche pour une. Et reviens en chien tâtant. Bah, garde les abdos bien serrés, bien engagés. Allez, deux. Relève les fesses qui pointent au plafond. Les épaules au-dessus des poignets. Encore deux. Allez, zéro cambré. Le dos bien plat, une belle planche. Engage tout. Repousse bien le sol avec un. Et tu peux repasser à genoux. Repasse debout. De là, tu vas bien t'ancrer dans ta jambe droite. Donc, lève le pied. Lève le pied. De là, active la fesse pour faire passer la jambe derrière. Et tu vas
essayez de garder ici un alignement, donc ici le bassin rétroversé. Je ne veux pas que tu te retrouves le buste d'abord. Non, essaye de garder une ligne entre ton genou et ta tête. Et on va descendre en avant. Hop. Descends, pense à bien relever, essaye de garder les hanches fermées parce que si tu ouvres, tu vas complètement perdre ton équilibre. C'est l'occasion de l'expérimenter, tu vois. Si tu ouvres, c'est beaucoup plus dur que là, si je suis bien solide dans mes hanches, que mes hanches sont alignées, je suis stable. Donc, hop, comment ça va? Tu peux tendre la jambe. Hop, redresse un peu le dos. Après, proactive pour travailler un peu la souplesse. Hop, et replie et reviens devant. Attrape ton pied par l'intérieur. Donc le bras passe à l'intérieur du genou, il attrape le pied à l'extérieur. Là, si ça va, tu peux tirer devant. Et après, tirer sur le côté. Ok, tiens l'équilibre. Tu peux rééquilibrer avec l'autre bras derrière, tendu. Et relâche, redescends. Et même chose de l'autre côté. Allez. Inspire, expire, et inspire, mets du poids sur ton pied gauche, relève le pied. Pense à bien garder les hanches au même niveau. Enfonce bien le pied dans le sol. Hop, de là, active le fessier, passe la jambe derrière. Relève bien, garde la belle ligne qu'il y a entre ta tête et ton genou. Et tu vas hop, monter le genou et quand le genou monte, le buste descend. Engage les abdos, les hanches fermées. Tu vas à ton maximum, ne cherche pas à aller très bas. Si tu perds la stabilité et le contrôle, c'est pas la peine. Donc tu vas à ton maximum. Tu peux hop, tendre la jambe quand ça va. Garde bien les hanches fermées. Serre les abdos. Hop, et quand tu es en bas, relève le buste, continue de tirer dans la jambe de derrière. Et replie, relève. Hop, devant. Attrape le pied. Tends devant. Puis ouvre sur le... Non, tends devant. Tiens, si c'est difficile, tu peux replier le genou de la jambe tendue, tu vas retrouver de la stabilité. Allez, tends. Puis... sur le côté. Allez. On tient. Ok, replie la jambe. Perds pas l'équilibre. Et repose au sol. Allez. Décontracte un petit peu. Tourne un petit peu tes chevilles si tu as besoin. On va passer à genoux au sol. Tu vas positionner tes mains à largeur d'épaule. Et là, l'idée c'est de plier les coudes, poser la tête, il faut que tu formes un beau triangle en fait entre tes deux mains et ta tête. Tu vas pousser de manière égale dans tes mains pour relever et essayer d'avoir le moins de poids possible sur la tête et la nuque. Donc quand tu poses ta tête, pose bien le dessus. De là, relève un petit peu les jambes, marche vers toi jusqu'à ce que tes genoux se connectent à tes bras. Et essaye pour l'instant juste de sentir et de chercher ton équilibre sans relever les pieds du sol. Si tu avances et que tu as l'habitude, pas de souci, relève les pieds, tiens ton gainage. Hop. Si tu n'as jamais fait, pour l'instant, essaie juste de bien sentir comment repousser le sol avec les mains et avec la tête. Il faut bien décoller les épaules des oreilles. Ok, repose les pieds. Repose. Et déroule dessous. Allez, on va le refaire un petit coup pour que tu aies bien compris l'exercice. Donc, quand tu es au sol, pense à bien repousser le sol, à faire un grand espace entre le sol et ton épaule pour vraiment bien engager
bien engager tous les muscles et que tu aies très très peu de poids sur ta tête. Elle te sert juste à te stabiliser. Tu n'es pas du tout en appui là-dessus. C'est vraiment tout dans les mains. Allez, on repart. Donc les mains bien largeur d'épaule. Les doigts écartés au maximum pour avoir vraiment un bel appui au sol. Pour gagner en force, tu peux légèrement, tu vois, plier les doigts et tu auras plus de force pour repousser le sol avec ta dernière phalange. Allez, plie les bras comme une petite pompe. Le sommet du crâne contre le sol et relève les fesses. Avance petit à petit. Si ça va, hop, connecte les genoux sur les triceps. Et engage les abdos, hop, relève les pieds, si ça va, sinon laisse-les au sol, juste trouve ton équilibre, prends la position, tranquillement, respire, allez, encore deux respirations. Et encore une. Et redescends tout doucement en contrôle. Ok. Allez, décontracte un peu les bras. Et voilà pour cette nouvelle session du Flexi January Challenge qui était un petit peu une introduction aux équilibres. Dis-moi en commentaire si les équilibres c'est quelque chose qui t'intéresse d'apprendre et de travailler. Pour l'instant, voilà, à un niveau débutant bien entendu, auquel cas voilà, je pourrais faire une vidéo dédiée plus tard. En attendant, prends soin de toi, pense à me laisser un petit pouce en l'air ou un j'aime pour encourager et soutenir mon travail et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une belle journée, je te retrouve demain. Salut!